Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous ETV Automoto. Aujourd'hui, on va vous présenter la CHR avec moi, Didier. Didier, il en existe plusieurs des versions de CHR. Alors oui, il faut savoir que sur les CHR, il existe trois versions. Une version boîte manuelle essence, une version boîte automatique essence et la dernière version, la version hybride. Eh bien, restez avec nous et on va découvrir quelle version que Didier a choisi de nous présenter aujourd'hui pour ce premier numéro de ETV Automoto. Avec plaisir. Alors Didier, on a vu qu'il y avait plusieurs versions de ce CHR. Vous avez choisi de nous présenter quelle version ? Alors aujourd'hui, on va vous présenter la version 2 litres de 180 chevaux. Il faut bien comprendre une chose, le CHR, le patron de Toyota a laissé carte blanche au designer pour qu'il fasse ce qu'il veut sur le dessin du véhicule. On a des lignes musclées sur ce véhicule. On a une ligne optique qui est bien propre au CHR. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir une version avec la motorisation 2 litres de 180 chevaux. C'est d'ailleurs le modèle qu'on essaye aujourd'hui. 2 litres 180 chevaux, c'est le modèle hybride. Tout à fait. Alors c'est quoi hybride ? Alors le système hybride, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus de diesel chez Toyota. Donc ça existe depuis 1997, découvert par la marque. Et vous avez la possibilité d'avoir sous le capot un moteur électrique et aussi un moteur thermique. Donc quand la personne qui est au volant va avoir un niveau de conduite inférieur à 60 ou 70 km/h, le véhicule tout seul va basculer sur les batteries électriques. Et une fois qu'on aura dépassé cette vitesse, en moyenne, puisque ça peut varier, on passe sur le moteur thermique. Est-ce qu'il y a une période de latence entre le passage des deux moteurs où véritablement, comme on dit trivialement, ça peut envoyer ? Non, pas du tout. Justement, le moteur électrique fait que vous allez avoir tout de suite le couple du véhicule. Donc, il suffit d'accélérer et ça part. Vous avez parlé, Didier, de batterie. Comment ça se recharge ? C'est sur la prise traditionnelle ? Expliquez-nous tout ça. Non, l'avantage du véhicule hybride, c'est que justement, on n'a aucunement à se préoccuper à aucun moment de brancher le véhicule. En roulant, quand on freine ou quand on décélère, on dégage une énergie cinétique qui va être transformée en électricité et stockée dans des batteries qui se situent sous l'assise du siège arrière. Et au moment où le véhicule en a besoin, sans que vous ayez aucune manipulation à faire, il récupère l'électricité et on passe sur le moteur électrique ou sur le moteur thermique. Ce qui va créer bien évidemment un niveau de consommation qui va être super intéressant, même pour une motorisation de 180 chevaux. J'ai eu le plaisir de l'essayer. J'ai trouvé un peu bizarre cette boîte de vitesse quelque peu particulière. Contrairement à une boîte de vitesse traditionnelle, vous n'allez pas avoir d'à-coup, vous n'allez pas avoir la sensation de passer de la première à la seconde à la troisième. C'est ce qu'on appelle une boîte à variation. Donc, il n'y a pas d'à-coup. Didier, avec Adrien, vous allez nous parler dans un instant, du cerveau de la voiture, avec ce tableau de bord où tout est concentré, toutes les informations sont dedans. Et avec Adrien, donc, vous allez nous expliquer comment on peut passer et on peut voir le passage justement de ce moteur électrique à ce moteur atmosphérique. Effectivement, Rudy, avec Didier, on voit maintenant les équipements de série. Alors, sur le CHR, nous allons avoir les radars avant et arrière. Vous avez la possibilité de découvrir une nouvelle ligne optique sur ce véhicule avec les rétroviseurs rabattables automatiques, avec les vitres anti-pincement et vous pouvez aussi découvrir les jantes 18 biton. Et pareil, le 3 qui peut être en biton sur le CHR. Et alors, en ce qui concerne l'habitacle, Didier ? Bon, ben écoute, de façon classique, nous avons la clim automatique sur le véhicule. On a le grand écran 7 pouces tactile tourné vers le conducteur. Vous avez toutes les commandes au volant du véhicule avec le Bluetooth intégré, le régulateur de vitesse, tout ça au volant. L'allumage des feux automatiques, l'allumage des essuie-vitres, les 4 vitres électriques, réglage de rétroviseur de miroir électrique sur votre main gauche avec la possibilité de rabattre les rétroviseurs. Et vous avez le frein à main aussi qui est électrique de série. Très bien. Eh bien, merci Adrien. On va découvrir un autre aspect de ce véhicule, un autre équipement de ce véhicule. On est juste là devant le coffre. Là, on découvre un coffre capable d'accueillir quand même les valises quand on voyage avec un litrage intéressant par rapport à la gamme. La plage arrière peut être enlevée complètement si on a besoin. Vous avez les sièges rabattables, 2/3, 1/3. Et en dessous, vous avez une galette de secours bien à sa place avec la batterie
Et la fameuse batterie dont vous nous parliez il y a un instant. Alors, ça, c'est la batterie pour démarrer. Les batteries électriques sont sous l'assise du siège arrière. Okay, c'est, oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et vous avez le quick, enfin, les éléments nécessaires. Donc, la galette, pas le kit anti-crevaison, qui permet effectivement de changer rapidement quand on en a le besoin. Très bien, ben quand même, c'est un véhicule à la portée de tous. Je parle de conduite, parce qu'on avait l'impression d'avoir quand même, on se dit bon, on n'entend pas le moteur, c'est un peu compliqué, on peut être un peu angoissé, mais la conduite est véritablement agréable. Ben pour moi, tout ce qui est hybride mérite quand même une découverte avec nous en concession à Toyota, Jari ou Baïf, pour pouvoir prendre la mesure du système hybride et découvrir et avoir le plaisir de conduire l'hybride. La transition est toute trouvée, Didier. On va prendre le véhicule pour se rendre à la concession et boucler notre premier numéro de ETV Automoto. On y va. Didier, nous sommes de retour à la concession. Toyota a le souci de minimaliser les pièces d'usure. Quels sont les avantages de la chaîne de distribution ? Ben on lui dit, écoute, l'avantage premier, c'est un coût moindre, puisqu'on sait bien que quand on a une courroie de distribution, il faut la changer au bout d'un certain nombre de kilomètres. Ça, c'est un certain prix. On évite ceci chez Toyota avec la chaîne de distribution, parce qu'il y a des éléments autour de la chaîne à changer au moment où on la change. Donc, c'est un gage de tranquillité et de sérénité pour le client Toyota, et aussi au niveau du portefeuille. J'espère que vous avez mieux fait connaissance avec cette CHR 180 chevaux. Merci Didier de ton expertise et de nous avoir fait partager ta passion. Ben merci à toi aussi, Woody. Et puis merci à Adrien pour qui c'était le baptême du feu. Vous vous en êtes plutôt bien sorti, donc vous êtes qualifié pour le prochain tour. Adrien, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur l'antenne de TV.